Souvent, on conseille aux personnes qui vont faire une conférence de commencer par poser une question dont le public aimerait connaître la réponse. C'est pour ça que dans cette présentation que je vais vous donner sur notre marketing, nous avons décidé de vous poser la question « En quoi le marketing peut-il aider mon projet ?» Il faut bien comprendre que à partir du moment où on communique avec l'extérieur, dans ce cas-ci une simple conférence, on fait déjà du marketing. Et le premier slide est déjà conçu d'une certaine manière. On peut remarquer par exemple, bon, le beamer n'est pas de bonne qualité, mais normalement il y a un fond avec des rayons de soleil derrière le logo qui mettent en avant le logo. Il y a le nom du conférencier, ce qui m'évite de répéter mon nom à tout le monde. Donc, mon nom est Jean-Manuel Clémenceau et je suis responsable artistique du projet. Le logo qui est au centre. Donc, à partir du moment où on communique vers l'extérieur, c'est déjà du marketing, qu'on le veuille ou non. Ok, alors un sommaire classique. Donc, on va voir qu'est-ce que le marketing, l'historique du projet SuperTuxCart, les exemples des maîtres. Vous allez voir ce que j'entends par là, l'art de raconter une histoire, les leçons qu'on a apprises et puis finalement les questions-réponses. Alors, pourquoi faire du marketing? Donc dans l'open source, on a un gros problème, c'est que souvent les gens, ils associent le marketing à c'est mauvais, ça fait partie des grosses compagnies. Mais alors, on pourrait vous expliquer un gros livre de marketing, etc. C'est pas très intéressant. Imaginez que vous êtes passionné de montagnes russes, puis vous créez la meilleure montagne russe au milieu de la forêt. Voilà, vous avez investi tout votre argent, vous avez mis cette magnifique montagne russe au milieu de la forêt. Puis à côté, il y a une route qui passe, comme ça. Et puis, ben, sur cette route, il n'y a aucun moyen de savoir pour les gens qui viennent que là derrière, on a votre magnifique parc d'attractions, votre magnifique création. Alors maintenant, si on regarde la même image avec un petit peu de marketing, on voit que là, on a déjà amélioré la situation. On est passé d'une situation où on n'avait aucune idée que notre parc d'attractions se trouvait derrière à un simple panneau. On voit une deuxième chose, c'est que ça n'a pas besoin d'être une publicité. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose comme une affiche. Un simple panneau, c'est déjà du marketing. Une simple indication, c'est déjà du marketing. Alors, l'historique du projet, donc, nous, pendant longtemps, on a eu, comme la plupart des projets open source, notre marketing, c'était, on fait notre version dans notre coin, on fait comme la montagne russe, et puis ensuite, on sort la version, et puis c'est fini. Donc, voilà, en 1999, TuxCart est annoncé sur Slashdot. En 2004, il y a une équipe qui a décidé de le reprendre. Malheureusement, ils ne connaissaient pas très bien l'art de faire des jeux vidéo, etc. Et donc, le projet a capoté. En 2006, il y a mon patron actuel qui donc a forqué le projet. Et puis, c'est devenu SuperTuxCart et il a fait en fait l'embryon de ce qu'on connaît maintenant, du jeu qu'on connaît maintenant. En 2010, on a changé de moteur. Alors, le moteur de jeu, pour ceux qui ne le savent pas, imaginez-vous un avion. Et puis, bah, c'est un simple moteur donc, pour faire avancer l'avion. Et là, on est passé un peu d'une hélice en bois à une hélice en métal. Donc, c'était une amélioration, mais ce n'était pas encore la panacée. Alors, après 2010, on a eu deux événements qui nous ont changé notre façon de voir les choses et notre manière de réfléchir. Donc, on a été sélectionné pour participer à un concours. Et il faut bien se rendre compte que jusqu'à maintenant, notre marketing, notre façon de faire, c'est on code notre jeu, on sort la version et c'est tout. Et pour participer à ce concours, eh bien, il fallait que les gens votent avec Twitter. Et là, on s'est rendu compte d'un coup, mon Dieu, on n'a pas de compte Twitter. On a 2000 téléchargements par semaine, de gens qui y jouent, mais on n'a aucun moyen de les contacter directement. Et face à nous, il y avait une entreprise parfaitement au courant des dernières stratégies de comment faire voter les gens pour elle. Et on s'est décidé, allez, on va essayer de les battre. Et donc, on a commencé notre croisade pour essayer de gagner ce concours.
Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était primordial d'avoir un moyen de contacter directement les gens, que c'était primordial de réfléchir un peu au marketing et pas de juste sortir notre version dans notre coin. Et finalement, on a gagné le concours. Donc voilà, donc on a réussi. On a aussi eu la participation au Google Summer of Code. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un programme de Google destiné à aider les projets open source. Et ça nous a beaucoup aidé avec l'argent qui a été investi de Google. On l'a investi une partie dans un nouveau moteur. Alors, voilà. Actuellement, en 2015, ça, c'est l'état graphique du jeu. Il est disponible en démonstration avec l'écran que j'ai installé juste à l'entrée de Phaeton Linux. Donc, si vous voulez tester, c'est juste là-bas. Alors, on voit que là, ça a complètement changé. On n'est plus dans des screenshots pixelisés et tout. On passe dans vraiment quelque chose qui est conçu pour que les gens le partagent, pour que les gens l'aiment, pour que les gens aient envie d'en parler, pour qu'ils aillent le redistribuer plus loin. Et on crée donc tout un univers là autour. Mais quand on a décidé de passer à un nouveau moteur, il faut bien vous dire que si avant on est passé d'une hélice en bois à une hélice en métal, là on est passé d'un avion à hélice à un avion avec un gros réacteur. Donc vu qu'il a fallu tout refaire, on a décidé de profiter de faire quelque chose d'un peu plus professionnel, d'un peu plus, de mieux fini. Mais quand on décide de faire quelque chose comme ça, sur quel exemple va-t-on se baser? Et ça, c'est quelque chose que je dis haut et fort. Il ne faut pas se baser sur d'autres jeux sur Linux. Ou même d'autres jeux comme Mario Kart qui ressemblent aux nôtres. Non, ce n'est pas ça. Il faut se baser sur des exemples de maîtres, de gens qui ont atteint un tel niveau visuellement, au niveau du marketing, etc., qu'on sait qu'on peut prendre exemple sur eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut les imiter. Mais ça veut dire qu'on peut prendre exemple sur eux. Alors malheureusement, la vidéo ne fonctionne pas. Mais je pourrais vous montrer, si vous revenez dans mon petit temps, un des exemples qu'on a pris, c'est le château de Cendrillon. C'est une animation faite par Disney. J'ai quelques images dans mes slides, vous allez probablement la reconnaître. C'est tout ce qu'il y a au début des films Disney. Donc on voit qu'il y a, dans la vidéo, on commence voilà, dans le pays des rêves de Disney avec une étoile filante en haut, une belle musique. Très rapidement, il y a un changement. On voit le château. Bon, malheureusement, le beamer n'est pas de bonne qualité, mais tout ça ici, on peut voir le village avec le train qui passe. Si on voit la vidéo image par image, même si la vidéo dure 30 secondes, on peut voir le train, etc. Donc, il y a un grand souci dans les détails. Et quand la musique change, d'un coup, on voit la bannière de Disney avec les feux d'artifice et finalement le château que je pense que maintenant vous voyez de quelle animation je parle. On peut constater ici que eux, déjà, ils produisent une version totalement fictive. En réalité, on ne peut pas voir les étoiles et puis un coucher de soleil en même temps. C'est pas possible. Mais on s'en fout, on est dans un monde de rêve. Le but est de vendre du rêve, le but est de produire du rêve, le but est de faire rêver les gens. Et là, on peut voir qu'ils ont utilisé une astuce avec, au niveau des couleurs, où il y a donc du bleu et de l'orange. Et ça, c'est des couleurs que l'œil humain aime bien voir. Qu'on aime bien voir, qu'on aime visuellement. Et on peut voir qu'ils ont fait le château en orange, le ciel en bleu. Alors, le deuxième exemple, c'est un jeu vidéo de combat spatial. Donc là aussi, rien à voir avec un jeu de course, fait par Microsoft. Là aussi, hein, on n'est pas idéologue. Hein. Microsoft, peu importe. S'ils font quelque chose d'intéressant, on peut se baser, on peut s'en inspirer. Donc, on voit là, départ d'une fusée. Même système que dans le château Disney. On a l'orange de la fusée qui monte, le bleu du ciel. Et donc, on voit que le langage qu'ils utilisent est le même, finalement. On voit que les techniques qu'ils utilisent sont les mêmes. Et même si on est dans une fusée, c'est les mêmes principes que le château de Disney. On voit aussi le souci des détails avec les ailerons de la fusée, les panneaux qui disent « Attention, je m'excuse de ne pas avoir pu vous montrer la vidéo, mais je peux vous montrer, parce que la vidéo ne fonctionne pas. Je peux vous montrer après. » Alors, ça, c'est une image qu'on a faite.
Notre objectif, c'est de faire une aventure épique dans l'univers Super Tux Kart. Ça, c'est ce qu'à l'interne, on s'est dit. Quand on a décidé de refaire le jeu, on s'est dit on va créer une aventure épique dans l'univers Super Tux Kart. Donc, il y a Tux, il y a le pingouin, il y a d'autres personnages. Ils sont dans leur planète qui s'appelle Tellara, qui orbite autour d'une étoile. Donc, on a créé tout ça. Alors voilà, pour le thème de la version précédente, on s'est décidé de se baser sur l'Amérique du Sud, avec le carnaval, avec la fête, avec des feux d'artifice, avec les Mayas, avec les Aztèques. Donc on a créé cette map que vous pouvez tester là aussi dans le jeu, je vous encourage, avec donc des pyramides et des feux d'artifice et des choses comme ça. Alors, normalement, je vous montre le trailer, mais les vidéos ne fonctionnent pas. Le trailer est disponible en écran HD. Je vous invite à aller le voir, je peux vous le montrer tout à l'heure. Et on voit que dans le trailer, ça c'est une des images du trailer, même principe que pour Disney, pour Microsoft, on utilise les couleurs du vert et du rose dans ce cas-là, donc là pour focaliser l'attention des gens sur la pédale de démarrage de la moto, on a mis uniquement le talon en rose et tout le reste en vert. L'image peut paraître bizarre si vous n'avez pas vu la vidéo, mais je vous encourage à voir la vidéo. Alors, les leçons qu'on a apprises dans cette aventure du marketing. Premièrement, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas la cible. La cible, c'est les gens, la cible, c'est le grand public. Et personnellement, j'aime pas Twitter, j'aime pas Facebook. Mais j'ai quand même appris qu'il faut les utiliser, c'est là où les gens sont. On est beaucoup trop dans l'open source, dans une idée idéologue. Ah, on va pas sur Facebook, ah, on met pas sur YouTube. Non, c'est là où vous allez trouver votre public, c'est là où les gens vont. Il faut pas se fermer soi-même à une opportunité marketing. Il y a des gens qui m'ont dit, il faut pas que vous mettiez le jeu sur Steam. Oui, mais c'est là où tous les joueurs de la planète sont maintenant. Donc si vous voulez faire un jeu, le meilleur moyen d'avoir votre étendard brandi de l'open source, c'est de faire un jeu que les gens jouent. Et pour aller, il faut aller pour ça à la rencontre des gens. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non, ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est, comme je vous ai dit personnellement, j'aime pas les réseaux sociaux, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et donc maintenant, j'ai un compte Twitter où on a annoncé qu'on venait ici. Il y a peut-être des gens qui ont lu ça sur notre compte Twitter qui sont ici à cause de ça. Et ça, c'est important de garder un lien comme ça direct envers les gens. Et puis, il faut savoir écouter le feedback. Il faut savoir être à l'écoute des gens, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on écoute. Je vais vous donner deux exemples de critiques qu'on a eues. On a eu la première critique d'une personne très sympa. Il disait, écoutez, moi, je suis pilote d'avion. Vous avez mis un avion qui atterrit. C'est un Boeing 747, puis vous avez mis 6 réacteurs. Puis en vrai, les Boeing 747, ils n'en ont que 4. Bon. Donc le gars, il est très poli. On tient compte de son avis, c'est-à-dire, ok, on l'a lu, c'est poli, ça fait plaisir. Mais il faut savoir que ça touche à notre liberté artistique. On n'est pas dans un simulateur de Boeing ou d'Airbus, on est dans un jeu vidéo. Et quand les gens voient un gros avion avec 6 réacteurs qui atterrit, ça fait genre juste « wow ». Et la plupart des gens ne voient pas qu'il y a un manque de cohérence là-dedans. Donc ça, c'est un genre de feedback qu'on en tient compte, mais on choisit de « voilà ». C'est pas très important si on laisse ça comme ça. Un autre feedback qu'on a eu, c'est le trailer. C'est quelqu'un qui a dit « Oh, votre trailer, il est très… » D'ailleurs, une des personnes ici a eu cette remarque. Il était beaucoup plus poli que l'autre personne. Une des personnes a dit « Oh, ce trailer est vraiment moche. Il est saccadé, etc. Vous avez fait de la M. » Bon. Alors ça, la première chose, c'est nous, on n'en tient pas compte publiquement parce que des insultes, on répond pas. On ne répond pas aux gens qui nous insultent. Mais là, il a touché un point capital. C'est la qualité intrinsèque de la vidéo. Il a dit, la vidéo, elle est saccadée, c'est nul. Et il a raison. Alors même si on n'en tient pas compte publiquement, parce que le gars, il nous insulte et puis voilà. Nous, à l'interne, on s'est dit, la prochaine vidéo, elle sera à 60 images secondes, pas saccadée. Et on va mettre le développement qu'il faut dessus. Alors, on a le nouveau trailer qui n'est pas saccadé, qu'on pourrait vous montrer, où on a appris toutes ces leçons. Comme je vous ai dit, les vidéos ne marchent pas. Mais voilà, la boucle est bouclée. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie beaucoup d'être venu ici. Je sais que la plupart des gens dans l'open source n'aiment pas le marketing, mais intéressez-vous. Parce que c'est la simple manière de communiquer avec votre projet, avec vos gens. Il n'y a pas besoin de faire des grosses publicités. Je vous donne un indice. Si on ne voit pas que c'est du marketing, ça marche encore mieux. Même si c'en est.
Alors, au nom de toute l'équipe, je vais vous offrir donc un petit chocolat suisse, puisqu'une grande partie du projet est fait en Suisse. Et puis, ça nous fait plaisir. Et donc, voilà, c'est un petit cadeau de notre part. Et puis, si vous voulez, donc, voilà, petit chocolat suisse. Voilà. Alors, ça, je sais pas. Alors, si vous avez des questions, j'aurai le plaisir de vous y répondre pendant que je distribue le petit chocolat. C'est Monsieur Clemenceau. Mais de rien, madame. Alors voilà, donc, si vous avez une question à poser. Alors, je sais que ça fait sourire quand on fait cette présentation parce que la plupart des gens sont intrigués. Et puis le marketing, ça les touche pas trop. Mais je serais intéressé de savoir, de répondre à vos questions. Et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Tenez. Alors voilà, donc un petit chocolat. Merci. Mais de rien. Alors voilà, donc si vous avez les moindres questions. Je vous invite à tester le jeu. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez acheter des posters du jeu. Oh. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Alors, j'ai commencé en tant que développeur. Personnellement, je sais coder, même si actuellement je m'occupe de toute la partie artistique. C'est difficile de trouver des graphistes dans l'open source. Et une des raisons qu'on a fait un univers, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'artistes, ils aiment rêver. Et que l'idée de créer un univers autour du jeu, avec des histoires, des personnages, ça aide énormément. Mais ça, c'est un défi particulièrement difficile à trouver des gens qui savent faire des belles images dans l'open source. Et un autre défi, c'est que, bon, ça c'est personnel, mais la première fois que j'ai voulu rejoindre un projet, je me suis dit, ah, l'open source, il manque d'artistes. Donc, j'ai choisi le projet que j'aimais le mieux, c'était pas SuperTuxCart, puis je les ai écrits, puis j'ai dit, écoutez, je suis un artiste, voilà, j'ai envie de vous aider. Puis la réponse a été, go yourself, on n'a pas besoin de ta merde, et puis voilà. Bon. Ça m'a beaucoup choqué. Et puis, à la sortie, voilà, j'étais tout juste majeur. J'avais tout juste 18 ans et tout. J'étais waouh, c'est vraiment salaud. Et le gars, il a vraiment été insultant. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir garder les gens qu'on a. Et nous, dans le projet SuperTuxCart, on a un gars, à un moment, il est venu nous rejoindre. Puis, il a dit, ouais, moi, j'aimerais faire des graphismes et tout, mais j'utilise Photoshop. Et qu'est-ce qu'on a eu comme réaction? Il y a un gars qui a dit, il n'était même pas dans notre équipe, il a dit, ouais, tu utilises Photoshop, c'est pas libre. Nous, ici, on est l'open source, dégage. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Oui, alors, le gars, il utilise Photoshop. Et alors? Nous, on a une partie des graphismes qui sont faits avec Photoshop. Où est le problème? Il faut arrêter d'être sectaire comme ça. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui fait fuir beaucoup de gens du monde open source. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que, comme je vous ai dit, finalement, la meilleure publicité, c'est quoi? C'est un jeu qui fonctionne, même sous Windows. Que les gens, ils vont s'intéresser et se dire comment ce jeu a été fait. Ils vont vouloir se renseigner et après ils vont découvrir « Ah ouais, c'est incroyable comme façon de concevoir. » Mais c'est très difficile de trouver des artistes dans l'open source. Et puis c'est vite vu. Vu qu'il n'y a pas de moyens, par exemple, nous on essaye de vendre des posters, des choses, et je vous encourage à acheter pour nous soutenir. Mais il y a une réalité, c'est que si nous on ne gagne pas d'argent, ben moi j'irai travailler pour une autre compagnie comme Ubisoft, et puis tant pis pour le projet. Et c'est dommage, mais ça arrive tellement souvent. Il y a plein de projets comme ça qui meurent parce qu'il n'y a pas le soutien financier. Et ça, c'est critique aussi. Ça, c'est une autre présentation qu'on fait. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est critique d'avoir du soutien financier. Est-ce que vous avez une autre question? Vous avez une question? Une autre question? C'est tout? Bon, bah alors écoutez, bah j'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère que le jeu vous plaît. Et puis, je vous invite à le tester juste dans le stand que je fais. Merci beaucoup.